第6の級処女級ではバルモのゴールドセインと釈迦が待ち受けていた。聖夜、紫龍、春の3人は持っているコスモを最大限に燃やして釈迦に挑むが、その攻撃はことごとく通用しない。最も神に近い男釈迦との力の差は聖夜たちが考えるよりもはるかに大きいものであったのだ。Salut à toutes et à tous, c'est Silenza 59 et nous voici pour la suite de mon let's play, ça va être le numéro 3 hein. Sur la suite de Saint-Seiya, les chevaliers du Zodiac, la bataille du sanctuaire sur la PS3. Et aujourd'hui je vais me friter avec chaque le chevalier de la Vierge. Et bien sûr, je suis avec Ikki, le chevalier du Phénix. Hop, allez. Oh, Ikki est super puissant. Hop. C'est peut-être celui que je voulais faire. Avec son oiseau en feu. Putain, Phoenix en feu, hein. Il faut dire que j'ai un peu boosté mes personnages, hein, parce que... pour dire d'être un peu plus puissant sur les chevaliers d'or, hein, parce que franchement, des fois, ils m'en mettent plein la tronche. Donc j'ai fait un peu de mode mission. Ça va aller plus rapide. Hein. Bah, j'utilise pas l'illusion du Phoenix parce que franchement, c'est pas un pouvoir terrible. Hein. Ah. Ils m'en veulent aujourd'hui. Récupérer un peu les boules. Vous voyez, quand lui il concentre son cosmos, il avance en même temps. Et si les ennemis me foncent dessus, bah je les crame. J'en ferai un, je vais le faire là, on va vous faire voir. Regardez, hop, voilà, j'avance et je les brûle. Donc là, franchement, il n'y a pas beaucoup qui me touchent. Hein. Hop, avec mon pouvoir, ça allait ultra vite. Ce pouvoir là est vraiment super puissant. Hein. Franchement, Ikki, c'est un des chevaliers les plus boostés du jeu, je trouve. Donc je sais pas encore jusqu'où je vais aller. Donc j'approche de la maison de la Vierge. Pas de boule, donc on peut continuer à avancer. Voilà, il y a une grosse armée, et boum, un pouvoir, et j'ai fait tous voler. Des fois, j'ai même remarqué que des fois, je balançais même les ennemis sur les maisons du fond. On les voit qui s'éclatent la gueule contre les murs. Ça, franchement, j'ai trouvé ça marrant. Même sur les poteaux, des fois, ça fait pas que sur nous, quoi. Les chevaliers nous pourrent plus sur les poteaux. Ça fait vraiment comme dans le dessin animé. Oh, les gros pépères là qui foncent dessus. Hein. On va recharger un peu pour récupérer les boules. Hop. Moi j'ai pas pris de truc. Un pouvoir. Allez, hop. Ah, j'ai vu, il y a du chakra. Du chakra, c'est un ki. C'est du cosmos plutôt. C'est chaque dessin animé a son terme spécial. Moi hein. Bah, j'ai le pouvoir. Hein. Ouais, il commence à flipper sa main, il va se barrer. Quand c'est un peu chiant, c'est la caméra quoi. Parce qu'elle regarde que devant et jamais derrière. C'est vrai que des fois les ennemis qui sont derrière nous, ben, on les voit vraiment pas quoi. Donc j'arrive, j'avance. Hein. Hop. Allez les mecs gros, là. Allez foncez sur Jean. Allez hop. Allez, il y en a un qui s'est éclaté la gueule sur la maison, regardez, ouais, boum. Bah, je me tape deux phénix noirs.
Ah, j'ai trop peur. Oh, j'ai déjà tué un presque à fond. Mais le même j'ai un kit déjà mort. C'est quand l'ennemi est pris dans mon pouvoir, ça ça pardonne pas. Hein. Voilà, on va faire tomber le poteau. Ça, j'ai peut-être gagné. J'ai pas gagné ce que je voulais gagner. Mais j'ai pas attendre que tomber sur mes pieds et que je m'en prends plein à la tronche. Croyez-vous. Moi j'ai paumé le chevalier noir, il est devant ma gueule. Ah bah là j'ai vraiment pas de chance avec mon pouvoir, il touche pas comme je l'ai touché le premier. Ce premier il a vraiment bien mangé. Moi bon, je l'ai tué. Voilà. Ouais, il y a des boules là, hein. Hop. Mais bon, ça s'appelle un jeu au boss. Et un or, ouais. Mon premier or en mode histoire. Donc je montais niveau 19, hein. Vous voyez, j'ai bien boosté. Hein. Plus des CP. On va monter un peu mon attaque spéciale. Je vais mettre au niveau 3 étoiles, comme ça sera bien puissante. Vous voyez, j'en attaque, je suis sur 400. Je vais monter un peu d'énergie. Hop, voilà, c'est bon. Et on est parti pour aller rencontrer le chevalier de la Vierge. Bah oui, niveau suivant, bien sûr. Chargement. Ouais, qui j'aime bien comme bonhomme, hein. Franchement, il est super puissant. Ah moi franchement les armures j'adore, elles sont vraiment bien faites les armures. Y'a rien à dire, hein. Côté armure ça cartonne bien. Ça commence déjà, je m'en mets plein la tronche. Donc on va un peu courir parce que là il me bourrine de loin. Oh l'enfoiré. Hop, on va éviter ces petites boules là quand même. Vous voyez que quand je mets mon chakra en fait, j'ai remarqué que ma barre elle montait plus vite dès que je la monte. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'arrive pas à l'envoyer dans les cieux. Là. Lui par contre il me balade bien. On va essayer de faire du corps à corps à lui parce que là. On va monter un peu tout ça. Mon septième sens. Et que là, oh l'énergie que je lui gobe là. Quand niveau pouvoir ça le prend pas. Hein. Oh ben là niveau pouvoir, y a pas moyen de le toucher quand il fait ça. Même en septième sens, hein, ça pardonne pas.
Ah bah il m'a fait un pouvoir. J'ai boosté qui pourtant et je m'en prends quand même plein la tronche. Hein. Il y a ça à dire. Hein. Eh ça y est. Non, vraiment qu'avec les vraies musiques ça donne vraiment bien. Y'a rien à dire. Hein. Ouais, sans armure, je reprends plein la part. Ouais, je vais mourir. Hein. Et voilà. Ils auraient pu redonner mon énergie, ça aurait été sympa. Allez Athéna, ressuscite-moi, merci. Vous voyez, à chaque combo, trop continu. Alors, on va essayer de faire mon gros pouvoir. Voilà, j'ai réussi. Vous voyez, maintenant je sais faire les gros pouvoirs, je me suis bien entraîné. J'arrive quand même à sortir un peu plus de coups. Hein. C'est au début des attaques Big Bang, je galère vraiment, je galérais vraiment. Ouais, je peux pas toucher, ça sert à rien. Ouais, ouais. Ah, c'est un peu abusé là. Ouais, il m'a mis son pouvoir dans la tronche. Ah, j'y suis à moins 100 et tout là. Mais sérieux. Ouais, il touche avec ça, bah, c'est même pas la peine. Oh là là, il est fort lui. Ouais. Ouais, mais comment tu veux que je le touche là avec ces trucs à la con? Ouais, je suis encore mort, hein. Là franchement, c'est de l'abus. Mais même boosté niveau 19, Chaco, ça pardonne pas. Donc je peux refaire mon attaque Big Bang. Hein.
vraiment que je lui mets au bon moment. Là, je l'ai mis deux fois, mais il n'a pas pris. Voilà, j'en prends plein la poire. En plus, sans armure, bah, je perds vraiment beaucoup de vie. Hein. Et là, je l'ai touché. Ouais, ils auraient quand même pu faire mieux le 1, franchement, pour la fin. Fin de Yuki. B. Ouais. Voilà, franchement, était bien dur à chaque fois. Donc, je passais niveau 20. Ouais. Donc, on va enchaîner directement avec la maison de la balance. Par contre, je l'ai pas. Il y aura un combat de boss. Parce qu'il y en a quand même pas de chevalier d'or. Vous voyez, je suis bientôt à la fin. Après, il me restera 5 maisons. Et je fais Shiryu. Donc voilà, un petit chevalier du dragon. Bah, lui, par contre, je l'ai pas trop boosté. Hein. Maison de la balance. Bon, pendant ça, bah, je vais vous parler un peu des jeux que j'ai joué, que je joue en ce moment. Donc, j'ai fini Resident Evil, Opération Raccoon City. Ouais, franchement, jeu là, j'ai pas tellement... il m'a pas tellement plu, hein. Faut dire ce qui est. Hein. À part le multi, quoi, mais le solo, franchement, le solo, 3h30 pour le finir, c'est vraiment un peu. Moi, je l'ai fini en normal, vous allez me dire, ouais, il y a plusieurs niveaux de difficulté, c'est bien de jouer avec des amis, ouais, mais bon. Il n'y a pas trop de surprises dans le scénario. Ah, peut-être à part à la fin où il nous laisse un choix libre, sinon. C'est pas un jeu que j'ai trop aimé, quoi. C'est pour ça que je vais pas faire de vidéo test, j'ai fait une vidéo découverte. Hein. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez la regarder. Après, je me suis fait aussi Ninja Gaiden, je l'ai fini. Donc là, j'ai quand même mieux aimé. Même si le début était un peu pourri, faut dire ce qui est. Bon, c'est plus Ninja Gaiden comme avant non plus, faut dire aussi. Il est un peu plus facile. À part certains boss où là, j'ai vraiment chié, parce que franchement, il y a des boss, ils sont vraiment chauds. Temps de choper la manip et tout, parce que franchement, il n'y a pas d'armes. Ça, c'est un peu débile, c'est qu'ils ont pas mis des armes, en fait. À savoir pourquoi, je sais pas. Moi qui adore les Ninja Gaiden. On a un Ninja Gaiden mais sans armes, quoi. On a qu'une épée, quoi. J'ai un peu déçu. Sur ce système-là, un peu déçu. Bah, là non plus, je ferai pas de vidéo test, hein, parce que j'ai fait une vidéo découverte. Je pense qu'une vidéo test, deux vidéos sur le même jeu, si c'est pas un let's play, ça sert à rien, quoi. Au pire, je peux vous faire un let's play, mais bon. En niveau plusieurs, peut-être. Par stage. Je sais plus combien de stages, il doit avoir 7 stages, 7 ou 8 stages, je crois. Donc au pire, je peux vous faire un let's play, peut-être. Tout dépendra, quoi. Déjà, je vais finir ce let's play-là, hein, de ce jeu. Bon, Shiryu s'en prend plein la poire.
On va dire que c'est pas mon chevalier préféré. Hein. Surtout niveau technique. Hein. Vous voyez tout à l'heure avec Ikki, franchement. Donc normalement, je vais aussi m'acheter des nouveaux jeux. Hein. Un Bundy, des Silence Hill, les Naruto. Donc, je vous ferai des vidéos découvertes sur ces trois jeux-là. Même si j'ai déjà vu plein de youtubeurs faire des vidéos sur ces jeux. Parce que oui, je suis des youtubeurs quand même. C'est parce que j'ai créé une chaîne que je ne les suis pas. C'est pas vraiment très intéressant. Hein. C'est pour ça que la vidéo de la. Avec. Je sais plus c'est lequel que j'ai zappé, je crois. Avec le lion et. Ouais, le lion. C'est pour ça que j'ai zappé le lion et le cancer, quoi, les stages là, parce que franchement, c'est pas très intéressant. Hein. Je trouve, hein. C'est toujours pareil à force. Hein. Donc, hop. Bah, je non plus, je vais pas faire un vidéo test parce que je sais pas, du Zodiac. Comme je fais un gros let's play, il y a vraiment, vous allez tout voir, hein, tout le mode solo. Ouais, tout le mode solo. Ouais. À part les modes mission, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment pas intéressant. Ouais. Je vous dis vraiment, c'est mode mission à deux joueurs. C'est un peu con qu'on peut pas jouer à deux en ligne. Ça, c'est vraiment mon petit regret, quoi. Franchement, on peut jouer à deux avec deux manettes, ouais. Enfin, sûrement, ouais, je vais même pas essayer en fait. Mais comme il marque deux joueurs, je pense qu'on peut jouer à deux quand même. C'est dommage que c'est pas en ligne, hein, parce que franchement, y a un truc pour mettre du classement en ligne, mais y a pas de, on peut pas jouer avec un copain en ligne. Ça c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais bien joué avec un pote en ligne, jeu-là, franchement. Même si c'est pas l'histoire, quoi, c'est que du mode mission, quoi. Mais bon. Voilà, 250 personnes tuées. Franchement, faire les chevaliers d'or à deux, ils sont surpuissants vu qu'il met direct le jeu en difficile. Ils sont surpuissants. On peut le faire avec la console, bien sûr. Je l'ai fait, j'en ai fait quelques-uns, quoi. Mais je trouve moins intéressant parce que la console, franchement, c'est un boulet, quoi. La dernière fois, je l'ai fait avec Ayoyo, le chevalier du lion. Franchement, putain, j'ai bloqué, quoi. Il touchait pas une bille, quoi. A priori, il faut mieux faire avec des bonhommes qu'on a bien boosté et qu'on maîtrise bien. Par contre, après, je l'ai refait avec Ikki et Shen, qui sont mes deux chevaliers les plus boostés, quoi. Bah là, franchement, les chevaliers d'or, ils ont pas touché 3 cachous. Hein. On va voir qu'est-ce qu'il va me donner comme boss, hein. Moi ouais, j'ai déjà fait, hein, franchement, j'ai fait les stages en. J'ai vu qu'en chevalier d'argent il n'y avait qu'un en fait. Hein. Il n'y a que Misty, le chevalier du lézard. Parce que j'ai vu c'était quoi son nom. C'est le chevalier du lézard. Hein. Moi qui pensais retrouver Shino et tout le bazar, ou même des autres chevaliers d'or, hein, chevalier d'argent, franchement, là j'étais déçu. Hein. Chevalier d'argent, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est une grosse misère en fait le jeu. J'aimerais retaper un Pégase noir. Oh, j'aime pas ce nom en plus. On va aller comme ça au 7ème sens, hein, parce que franchement. Je vais buter d'abord Pégase Noir parce que c'est le plus dur. Hein. Allez, tant qu'il fait ça au pouvoir du dragon, je me suis fait shooter. Ouais, Pégase, on va shooter parce que. Ah, je me suis fait pécho. Ah, je vais mourir là, franchement. Ah, parce que là, il me tient là. Ouais, il se passe quoi là? Ah putain, tant que je tombe, j'étais en le 1. Wow, je me suis fait déglinguer la tronche. Mais méchamment. Vous avez vu, le gros, il m'a tenu et les autres, ils m'ont maravé la gueule. Quand, je sais pas comment il fait le chéri noir pour faire des coups de pied en sautant comme ça, franchement. On va me booster un peu, c'est hop. Ah franchement, c'est de l'abus. Ah
Putain, mais tant qu'il sort ses pouvoirs, le chéri, je me prends plein la tronche, quoi. Eh, je vais encore mourir. Putain, c'est pas possible. Oh, c'est de l'abus. Le chéri est vraiment pourri. J'aime pas. On reste un continu. Il manquerait plus que je meurs là. Bah, franchement, ce sera l'abus. Et où le deuxième clampin là? Ah oui, je viens de l'exploser en l'air et... Attention les caillasses. Donc j'ai battu ces hier noirs, hein. Alors là franchement déjà il me fera plus chier avec ses météores à la con. Quand lui hein, il colle col. Ah il m'a encore maintenu, c'est pas possible, et l'autre il m'achève sur lui quoi. Ah mais bijou ouais. Énergie que je perds quoi. Putain mais c'est l'abus quoi. Putain comme il marave le chariot noir quoi. Bon, je la vois. Allez crève, va voir si j'y suis. Bon j'ai eu de la chance là. Franchement. Ouais ils étaient costauds hein. Deux fois que un des gros il me maintient et l'autre il me bourrine dessus. Franchement là je me suis fait déglinguer la tronche. Ah ouais bah tu peux le marquer hein, j'ai joué comme une grosse merde. Là on voit que le chariot je le maîtrise pour. Franchement niveau 5, passer niveau 6, ouais. Ouais niveau force ouais 160 et qui est à 400. Waouh. C'est pas le même bestiole là. Je vais le booster quand même. On sait jamais, je vais mettre un peu de puissance. Je vais le mettre à 200. Je conserve et bon comment je me suis fait déglinguer la tronche. On va 210, un peu de défense, on va mettre à 150. Je vais monter un peu sa vie parce que si je me tape un boss avec Chariot, bah c'est même pas la peine. C'est déjà le chariot du cancer, j'en ai chié alors, hein. Voilà. Là c'est déjà pas mal. Donc cette fois-ci je suis Seiya, hein. Alors là je sais pas pourquoi. J'espère qu'il va pas me remettre le stage. Hein. Ah, Sui Yugo. Bon, je dois faire quoi? Moi, je veux bien, je dois taper un bloc de glace. Ouais, je comprends pas bien l'intérêt de casser un bloc de glace. Hein.
Alors sur ce, merci d'avoir regardé mon let's play, j'espère que ça vous a plu, si vous avez bien aimé, mettez un j'aime ou abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie, merci à tous, et à la prochaine.